Je dis juste que si Meghan avait pu faire sa présentation à Washington, l'ONU n'envisagerait même pas de fixer des restrictions. On peut pas en être sûr. Et s'il n'avait pas envisagé de restrictions, Bill Taggart ne serait pas allé à Genève faire son fichu discours et personne n'aurait tenté de le tuer. Tu peux pas être sûr de tout ça à 100%. Laisse-moi finir, Will. Le monde entier nous a témoigné sa compassion. Mais tu as vu à quelle vitesse ça s'est retourné? Nous devons simplement montrer au monde tout le bien que peuvent faire les amplificateurs. Finir ce que Meghan a commencé. Jensen, alors vous êtes revenu? J'espère que les gens en dehors de l'entreprise ne vous ennuient pas trop, à cause de vos augmentations. C'est pas si facile de s'y faire, mais une fois qu'on s'habitue à ces nouvelles capacités, on peut plus s'en passer. Meghan disait toujours que vous toléreriez bien les augmentations. Les gens redoutent le changement, mais au bout du compte, c'est ceux qui sautent le pas qui font la différence. Elle devait parler de vous. Jensen, j'aurais pas cru vous revoir ici. À croire qu'ils ont trouvé personne de compétent pour vous remplacer. Et attention, je dis pas que vous connaissez pas votre travail, mais ça fait 2 attaques en 6 mois. Et combien de morts? Pas fameux, votre bilan. Tout ça rappelle de mauvais souvenirs. J'adore mon travail ici, mais savoir qu'à n'importe quel moment... Ah, mon Dieu, je préfère ne pas en parler. Et si d'autres extrémistes passent cette porte et tirent sur tout ce qui bouge? Je sais, c'est horrible. Toi, tu serais la première à... Enfin, tu serais... La première à quoi? Non, rien. Oublie ça. Beau travail ce soir, Adam. Il paraît que la plupart des vandales ont été arrêtés sans violence. Ça aurait pu dégénérer. Vous voulez qu'on boive un café un de ces jours? Je me sens en sécurité quand vous êtes près de moi. Vous voulez qu'on boive un café un de ces jours? Je me sens en sécurité quand vous êtes près de moi. Monsieur Jensen, tout le monde ne parle que de vos exploits. Des otages que vous avez sauvés. Vous êtes un vrai héros, félicitations. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Quelqu'un est allé dans mon bureau récemment? Je... Sans doute le service de nettoyage? Et aussi ce monsieur Carella qui vous cherchait. À part ça, je ne vois pas. Personne n'y a touché. Montez de 2 niveaux et prenez à droite. Merci, je vais me débrouiller. Comme vous voulez. Bonne soirée, monsieur. On parle que de ça au bureau. Vous avez réglé leur compte à ces cons puristes. J'aurais bien aimé voir ça. J'aurais bien aimé botter quelques culs, moi aussi. Hé, hey, est-ce que l'entreprise subventionne les augmentations pour les employés? On est fidèle au poste, chef. Rien à signaler. Ça a été plutôt calme ici, sauf qu'il y a eu toutes ces rumeurs stupides. L'écran des objectifs vous fournit des détails sur vos missions et objectifs en cours.
vous y trouverez des informations pouvant vous aider à mieux comprendre ce que vous devez faire. Vous pouvez activer ou désactiver les missions pour qu'elles apparaissent ou non sur votre radar. Bien sûr, vous pouvez accomplir une mission qui a été désactivée. Madame Reed ? Oh, Adam ! Excusez-moi, vous m'avez surprise. Et faites-moi le plaisir de m'appeler Cassandra. Vous avez vécu assez longtemps avec Megan. Je vous attendais. Ici ? Pourquoi ne pas être entrée ? Je ne sais pas. Je ne dois pas être prête. C'est votre lieu de travail, mais c'est aussi l'endroit où j'ai perdu ma fille. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Désolée. C'est très mal élevé de ma part de venir pour remuer de mauvais souvenirs. Surtout après tout ce que vous avez traversé. Ouais. Beaucoup de choses ont changé il y a 6 mois. C'est assez incroyable à quel point elles vous ont changé. Au début, je n'arrivais pas à croire que vous aviez survécu. Vous vous y êtes fait ? J'ai rien demandé. Ils disent qu'ils m'ont sauvé, mais je suis pas sûr que « sauver » soit le bon mot. Je comprends votre colère. Je n'aurais pas aimé non plus que des gens prennent à ma place ce genre de décision. Mais, ceci étant dit, je suis bien contente que vous ayez survécu. Je peux vous demander ce qui vous amène ? Oui, bien sûr. Désolée. C'est au sujet de Megan. Enfin, de ce qui lui est arrivé. Plus précisément, de l'enquête sur ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire ? Pour résumer, je trouve bizarre la façon dont cette enquête a été menée. Vous pensez à une manipulation volontaire ?
Oui, ça doit être mon intuition de mère. Mais en parlant aux enquêteurs, j'ai relevé beaucoup d'incohérences. Et puis j'ai fait la rencontre de l'inspecteur Chase. Il m'a dit que tout n'avait pas été fait dans les règles de l'art, même s'il ne pouvait pas le prouver. Et maintenant, vous voulez en savoir plus? Je n'entendrai plus jamais le rire de ma fille, Yada. Elle ne m'appellera plus jamais pour me demander comment je vais ou me raconter sa journée. On me l'a volée. Même s'il ne peut pas y avoir de justification à ça, je veux savoir pourquoi. Vous avez changé, Adam, et je ne sais pas si c'est en bien ou en mal. Mais je sais que vous aimiez Megan. Alors je vous en prie, aidez-moi à découvrir ce qui lui est vraiment arrivé. Je n'ai jamais pu mener ma propre enquête sur l'attaque. Je vais le faire. Merci, Adam. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi. Pour commencer, je dois voir cet inspecteur Chase. Bon, il travaille comme garde de sécurité à mi-temps dans un immeuble de Brooklyn Court. Je vous retrouverai dans le hall de votre immeuble quand vous aurez fini. Comment se fait-il qu'un inspecteur travaille à mi-temps comme garde de sécurité? Oh, il a pris sa retraite juste après l'enquête. Je ne connais pas les détails. Il vous en dira davantage. J'y vais. Vous avez appris quelque chose? Oh, je vous en prie. Je dois savoir ce qui est vraiment arrivé à Megan. Je crois que c'est tout. C'est vous, Jensen? Un de mes amis m'a raconté ce que vous avez fait à l'usine. Beau boulot avec les otages. Non mais tu te rends compte? On a cerné toute l'usine, puis on nous a interdit d'intervenir. Depuis quand on reçoit des ordres de David Sarif? Il y avait peut-être des produits dangereux et ils voulaient pas prendre de risques. Ou alors il y avait des produits illégaux et ils voulaient que leurs flics privés les enlèvent avant qu'on entre. On n'aurait pas dû laisser passer ce gars. Je trouve que Jensen s'en est bien sorti. Il a sauvé les otages. Ouais, un coup de bol. J'ai rien à vous dire. On est en 2027 et on discute encore des changements climatiques. Quand j'étais petit, ça faisait les gros titres. Réchauffement planétaire, montée des océans, c'était déjà trop tard à l'époque.
Lâche-moi, mec! Fous le camp! Mais tire-toi! Grayson m'a refilé du matos de première. Si ces augmenteurs me cherchent, crois-moi, ils vont me trouver. Grayson ? Qu'est-ce qu'il vient ? Hé, hey, mais tu débarques, toi ! Ça fait des semaines qu'il gère ses petites affaires dans une station-service abandonnée. Ah ouais ? Justement, je voulais améliorer mon zénith 10 mm. Il a du bon matos, mec. Vas-y de ma part. Comme ça, il me fera une petite remise la prochaine fois. Ok. Bonjour. Content que vous ayez pu venir. Je ne pourrai jamais vous rendre tout ce que vous avez fait pour nous, mais j'aimerais vous aider à mon niveau. À quoi est-ce que vous pensez ? Il y a un homme du nom de Sera qui travaille dans ce quartier. Il a déménagé plusieurs fois à cause de ses affaires, mais en ce moment il vit dans un appartement sur Earl's Court. Allez le voir de ma part, il vous fera une remise sur ses marchandises. Il vend... enfin, il vend des armes. Et d'où vous connaissez quelqu'un comme lui ? En grandissant là où j'ai grandi, on apprend très vite à cultiver certaines relations utiles. Vous vous souviendrez de son nom ? Sera, comme le peintre. Je veux pas savoir ce qui se raconte sur vous au bureau. D'après moi, vous êtes un type bien. Je veux pas savoir ce qui se raconte sur vous au bureau. D'après moi, vous êtes un type bien.
Je ne vous remercierai jamais assez. J'espère que vous avez fait le bon choix en laissant fuir cet extrémiste. L'avenir nous le dira.